Fin de la deuxième reprise. Antoine Chaillot de Bouillou en Saône-et-Loire face à Jason Home du Noblat Moulinois. Le vainqueur est dans le coin rouge, Dylan Barbota. Premier combat professionnel, un combat qui va mettre opposé Abel Hajjaoui et Jean-Noël Alvarez. Pour présenter ce combat, j'ai à mes côtés Beke Benzora, le vice-champion de France Walter. Beke, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que là, ça va être un combat vraiment chaud parce qu'on les a vus à la pesée. C'était vraiment, ça promet. Toujours Abdel qui attaque avec des enchaînements. Voilà, ouais, crochet large. Et obligé, parce que si Jean-Noël regarde la distance, c'est vraiment, je ne sais pas comment il fait. Il ne va pas marquer de problème. Voilà, là, il... Très bien enchaîné. Ouais. Voilà, ouais. Travaillons. Hein. C'est la solution. Hein. Voilà. Et alors, ce qu'il fait Abdel aussi, c'est vraiment bien gaucher. Et ça, c'est très très bien pour Abdel, parce qu'un gaucher qui est le vainqueur. Ah, voilà, écoutez, écoutez, vainqueur. Abdel, c'est normal. Abdel, sans surprise. Voilà, sans surprise. Donc Michael Bonnet face à Bilal Berouda, c'est ce nouveau combat. Et Wendy, on voit, j'ai terminé, quoi. Elle est là, en direct, ça passe. Ça n'est pas.
c'est reparti très fort de ce quatrième round. Avec la vie du technique. Gervois 73, vainqueur et donc champion de France. Pascal Vico conserve sa ceinture pour la troisième fois de ce titre. Avec le public a été exceptionnel, vraiment génial ce soir, très très content.